Alors, ma Géraldine, tu es hautaine, bourgeoise, bobo. Ça démarre bien. Féroce. Et sans concession. En tout cas, c'est l'image que les gens ont de toi. Ouais. Et c'est très bien parce que tu assumes. Et c'est ça qui me plaît chez toi. C'est que tu assumes, et non seulement tu assumes, mais tu appuies sur le trait, sur la caricature de toi-même. Et ça me fait plaisir parce que je trouve que c'est formidable de faire ça. Tu es cash. À chaque émission, t'enfiles ton treillis, tu pars à la guerre. Et tu as mis un treillis ? Ouais, elle met des treillis pour venir faire l'émission. Et t'es pas là pour rigoler. Et en même temps, et c'est ça que je trouve génial, c'est qu'au début, on te trouvait évidemment hautaine, etc., tout ce que j'ai dit, écorcetée. Et là, t'as déboutonné les cols de la chemise. Ah ouais. Et là, on est sur un décolleté, mais... Mais oh, c'est pas le genre. tu as décolleté... Elle a une cote. Mais oui, parce que maintenant, en plus de tout ça, t'es devenue sexy, t'es devenue rigolote, parce que tu avais un peu de mal, parce que je te connais, t'es timide, donc t'avais un petit peu de mal à danser, à jouer le jeu de la darka, etc. Là, maintenant, tu y vas. Mmh. Et donc, pour toutes ces raisons, je te mets un 9. Tu sais que j'ai déjà une 10. Donc moi, je lui ai mis la note de 10 sur 10. Pour faire simple, en gros, tu es ma chroniqueuse préférée. Tu l'étais déjà avant que j'intègre l'équipe. Et en fait, te connaître maintenant en vrai, tu ne fais que confirmer que je t'adore. Bravo. J'ai oublié un petit truc. 10. Géraldine, pour moi, t'es un peu comme ma maman. J'adore me confier à toi. Tu connais toutes mes histoires. On l'a vu, on n'est jamais d'accord sur les débats. Mais c'est toujours un plaisir d'entendre tes arguments parce que tu argumentes très bien et c'est toujours un plaisir de se faire défoncer par toi dans la bonne humeur. Non mais c'est vrai. Néanmoins, j'ai un gros problème avec toi, ce sont les fous rires. Je tiens à dire que Géraldine est à l'origine de 99% des fous rires sur ce plateau. Je peux plus vous supporter les Donc l'émission se transforme en calvaire pour moi. Je ne peux plus regarder ni Bruno Pommard ni Michel Marie dans les yeux. C'est terminé. Tu es parfaite, mais je t'ai enlevé un petit point pour les fous rires, donc je t'ai mis un 9. Géraldine, je t'aime beaucoup, c'est vrai, parce que tu es une femme de conviction. Et c'est vrai que je ne dis pas que c'est rare du tout, mais c'est parfois plus difficile de s'imposer quand on est une femme et qu'on a une horde de gros machos autour de soi comme ça. Mmh. Mais tu gardes toujours le cap et quand tu as quelque chose en tête, tu iras jusqu'au bout, même si sous les colibés, etc., tu garderas le cap et ça, j'apprécie beaucoup, même si je ne suis pas toujours d'accord avec toi. Ce que j'aime surtout en toi, c'est que depuis le début que tu es à TPMP, tu as eu un gros crush sur moi. Que tu es très belle, la femme parfaite parce que pour un homme, t'aimes le foot, t'aimes le poker, c'est vrai. T'es bonne copine, t'es fidèle en amitié et en amour. Donc j'attends maintenant qu'une chose, c'est que Daniel trébuche. Et en attendant qu'il trébuche, je te mets déjà la note de 8. Alors Gégé, il y a quelque chose qui m'impressionne chez toi, c'est que t'as toujours un truc à dire. Tous les sujets, à même chaque si c'est fois, une grosse connerie. Dans toutes les émissions, t'as tout le temps un truc à dire sur chaque sujet. Et pour moi, ça, je trouve ça dingue, parce qu'il y a des sujets sur lesquels moi, j'ai rien à dire, et toi, t'as toujours quelque chose à dire. Alors, je suis pas tout le temps d'accord. À mon avis. Hein. Alors, je suis pas tout le temps d'accord avec toi, ça c'est sûr, et on le sait toutes les deux. Mais tout ça, c'est quelque chose que j'apprécie chez toi. Et au-delà de ça, t'es quelqu'un de solaire. T'es toujours souriante, tu fais jamais la gueule. T'es belle. J'admire ta carrière présente et passée. Il y a un petit bémol. C'est que j'ai mis une note. J'ai mis une note. J'ai enlevé quelques points. Ok. Alors, j'ai enlevé un point dans sa globalité. C'est énorme. C'est pour tous les débuts de fou rire qui sont à cause de toi. Je le dis directement. Ouais, oui, c'est quelque chose que j'avais déjà prévu. Ouais. Je ne savais pas que Guillaume allait le dire. Mais tous les fous rires débutent à cause de toi. Et c'est à cause de ça aussi qu'on se fait déchirer par la suite, que ce soit Cyril ou les chroniqueurs. Ça débute de toi. C'est vrai. Un demi-point pour Macron. Un demi-point pour le vaccin, ça te fait 8. Géraldine, tu es belle, tu es brillante, tu restes élégante même avec les costumes les plus ridicules. Pour tout ça, j'aurais pu te mettre un 9. Je dis bien j'aurais pu, parce que dans nos débats, tu me déçois souvent. Tu confonds blasphème avec profanation sur la religion. Tu vois de l'homophobie partout. En matière de wokisme, tu pourrais être la fille naturelle de Gilles Verdez et Sandrine Rousseau. Trop bien. Et pour tout ça, malheureusement, mon 9 se transforme en 6. Bravo. Géraldine, c'est la femme qu'on aime détester, et pourtant c'est la femme qu'on aimerait tous avoir, je pense. Hein? Je jure que c'est vrai. C'est parce que c'est vrai, quand on la voit, elle est imbuvable, elle est des prises de position, c'est tranché. Non mais c'est vrai, elle est imbuvable. Adjectif.
débectante quand tu le dis, c'est pas possible, elle m'énerve. Et c'est très dur de s'embrouiller avec Géraldine. Moi, je me défie de vous. Hein, je me défie. Moi, j'y arrive. Oui, mais t'as vu le niveau. T'as vu le niveau. T'as vu le niveau. On peut remettre les images quand vous embrouillez, ça envoie. Et moi, j'aime bien parce qu'elle peut être toute seule contre 100 personnes. Elle lâche pas l'affaire. Si elle a son argument, elle va au bout de son argument. Je trouve qu'elle sert beaucoup à l'émission. C'est la personne avec qui j'ai passé le plus de temps assis, que ce soit Daniel, au début que j'ai commencé. Elle n'était pas là, Daniel, avant. Elle était sur notre chaîne. Elle n'était pas là, Daniel. Très content d'être à côté d'elle, même si on n'est pas souvent d'accord. Au moins, j'adore. Et puis, elle a un humour pas possible, elle a un esprit pas possible. Et quand on est un mec, on se dit, bah, tu vois, ma nana, si elle ressemblait à ça, ça serait pas mal. Donc, pour ça, je t'ai mis 9. Pour vous définir et surtout pour résumer votre saison, j'ai un seul mot, classe. Pas la classe internationale. Ça, vous l'incarnez, mais ce n'est pas mon propos. Non, la classe de 3e que vous pensez diriger le soir ici à chaque fois. Et c'est insupportable. Parce qu'en plus, vous donnez des bons points. Enfin, un bon point à votre copine Valérie Benaïm, l'autre membre du gang des DDL, là, les donneuses de leçons. Parce que les autres, ils prennent des coups de règle sur les doigts. Mais quand même, Géraldine, moi, j'aime bien quand vous êtes là, parce que la vérité éclate. C'est l'exact inverse de ce que vous pensez. Maintenant, pour la note, je ne savais pas quoi faire. Ouais. Et vraiment, je suis sentimental. J'ai cédé à l'indulgence, c'est un... Non, Géraldine a fait une année exceptionnelle. Et d'ailleurs, je lui ai dit. Vraiment, je lui ai dit, elle a fait une année exceptionnelle. Et en plus, cette année, ce qu'elle a rajouté, c'est qu'on rigole beaucoup avec Géraldine. Oui. Et elle a rajouté aussi... C'est devenu aussi une snipeuse, c'est ça que vous ne voyez pas. C'est qu'elle sort des vannes. Donc elle a rajouté à son panel, non seulement elle avait des analyses, mais maintenant elle a rajouté les vannes. Donc là, elle peut sortir des petites vannes, on rigole. C'est vrai que même à la pub, quand je vais les voir, on charrie beaucoup. Géraldine a fait une année, je vais dire, presque parfaite. C'est pour cette raison que je vais lui mettre la même note qu'à Gilles, 9,75.